Voilà, là normalement ça devrait aller mieux, normalement on devrait entendre. C'est bon? Est-ce que j'ai du tout tout relancer pour que ça marche? Bon, attends, je fais juste un petit réglage, vite fait du coup. Tant qu'à faire, et pourtant c'est pas faute de les avoir fait là cet après-midi. Non, c'est pas ça que je veux. Je sais, je t'entends bien d'ici, Phoenix. Oh là là, elle fait ses réglages. Oh mon Dieu. J'entends d'ici. Voilà, ça devrait aller mieux. Je regarde un peu en fonction du machin. Voilà. Voilà, bon. J'ai fait au mieux, hein. Voilà. Voilà. J'ai fait au mieux. Il faudra que je revoie ça. Je les ai déjà fait avant, hein. C'est ça le pire. Je les ai déjà fait avant. Mais c'est toujours la même chose, hein, qu'est-ce que je te dise, hein. On change pas une équipe qui gagne. Voilà. Alors bon, aujourd'hui on est parti pour Whisperer. Ça serait bien que je fasse un psychose un jour, mais je pense que je le ferai, hein, pour moi. Là, on va partir en normal, hein, parce que. Le premier, le normal, était déjà assez stressant comme ça. Bon, je suis désolée si sur les côtés, du coup, hein, la vidéo, c'est un peu en noir. Faudra que je gère ça. Ou alors, faudra que je fasse les... Que j'augmente la résolution du jeu dans ce cas-là, sinon. Bonjour messieurs. Those eyes. We don't have to wake up, but open your eyes. What's the matter? Somebody hit you. Ouf. Laissez-moi vous aider. Ah, mec. Ah, mec, arrête ça tout de suite. You getting these alerts? Kind of busy here. It sounds like real trouble. At the engine, they said Hope made a lateral ascension. Pretty Hope. Shit. They're not happy about it? No. Shit. Shit, shit, shit. Come on. Bien, bien, bien. Coucou, Goka. Comment vas-tu? 2 heures plus tôt. Oh. Ah, donc ça devait être le médecin qui nous a envoyé le médecin, la personne qui travaille à Mount-Massive, qui a envoyé ça. Attendez, 2 petites secondes, j'augmente juste la résolution.
augmenter la résolution qui fait planter le jeu. Est-ce que ça l'a vraiment fait planter? Ouais, j'ai l'impression que oui. Bon, on va devoir le relancer. Décidément, pas possible, je fais toutes mes configurations avant. Pas doué, il a pas doué, tu sais ce qu'elle te dit, Pierre? Non, mais. Bon, c'est pas ça que je cherche. Là. C'est ça, Outlast avait cessé de répondre. Voilà, on va le relancer. Voilà. Alors, attendez, pourquoi je l'empêche? Voilà. On va s'en occuper maintenant. Ok. Ah là, ça sera mieux. Ah! Attends. Est-ce qu'il m'avait sous-gardé ou pas? Ça m'étonnerait. Ah si, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Bon, on va devoir se refaire la cinématique, mais ça va, on n'avait pas beaucoup avancé. Donc... ça passe. Salut Adrien du Nord. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Ah, je ne pouvais pas bouger avant. Ah, là, je peux plus bouger. Ah, putain. Range-moi cette langue. Range-moi cette langue. Yeah. Il a vraiment une tête de con. C'est moi. Eh bien, je vais bien, hein. Je vais bien, nickel. Ah, désolé, j'ai eu un message. Un truc. Du coup, je n'ai pas eu de retour pour savoir si le son du jeu était assez fort. Hein, n'hésitez pas à me le dire, hein. Au pire, j'augmenterai. Du coup, je suis désolée, mais à mon avis, le texte. Les sous-titres vont être un petit peu coupés vu que j'ai dû être obligé d'augmenter la résolution. Oui, donc c'était la lettre que le journaliste, on incarnait le journaliste au premier Outlast, qu'on avait reçu et qui nous avait entre guillemets boosté un peu enquêté sur Mock Massive. Donc je vous la relis. Vous ne me connaissez pas, il faut que je fasse vite. Il surveille peut-être. J'ai fait une mission de 3 semaines en tant que consultant logiciel sur un site de Murkoff Psychiatric System à Mount Massive. J'ai signé une série d'accords de confidentialité. Pardon, j'ai pas écrit, à lire. Que je suis en train de violer en ce moment même. Mais franchement, ils peuvent aller se faire foutre. Il se passe des choses terribles là-bas, je n'y comprends rien, je n'arrive pas à croire la moitié des trucs que j'ai vus là-bas. Les toubibs parlent d'une thérapie onirique qui allait trop loin de la découverte de quelque chose qui les attendait dans la montagne. Des gens souffrent à Murkoff, et Murkoff s'en met plein les poches. Il faut dévoiler ce public. Ok. J'ai dû être obligée.
Il me semble oui, hein. Park? They've paged for you three times already. There's something urgent at the engine. Putain, des gens vivants. I thought you were just a software guy. Putain, il y a des gens vivants. Oh mon dieu. Bonjour. Pas à votre cas. Bonjour. Il ressemble à Pierre en fait, hein. Pierre Phoenix. Hein. Je sais pas, tu es professeur de français. Ouf. Non, mais il m'avait semblé que ça se disait. Oui, je me dépêche, je me dépêche, je me dépêche. Je peux pas courir, hein. Pardon, messieurs, pardon, pardon. Page him again. We need this Park guy in here now. Park, finally. Where have you been? Functional imaging interfaces and talking to the ASL. We got a patient 30 seconds out and we're blind inside his head. Call into the chamber, ask them to delay. No, I don't need another performance evaluation. Mr. Park here is gonna have us up and running before we even know it. Right, Mr. Park? Ça a l'air d'être le merdier quand même, hein, ce genre de choses. Putain, erreur. Je fais quoi, j'attends? Have you, Mr. Park? Steve? You're doubting our friend, Mr. Wayland Park? Which I consider more than unkind to his programming skill and considerable dedication to the Murkoff Corporation. Fuck me. Salut Nina. Oula, il y a un petit. Violet, ah bon, on avait parlé de te payer, Nina? Je m'en souviens pas, moi. C'est qui? C'était le Billy ou quoi? It's all right, agent. Mr. Park was just surprised. I'm sure he's still calm and eager to finish his work. Take your seat. Non, je suis pas désireux de terminer mon travail. Fusion monitoring is not active when we put him in the engine. 5 seconds. 4. 3. Arterial spin labeling is back online. Good. Le pauvre gars, quoi. You're finished, Mr. Wayland Park. Ouais, son visage qui se détériore au fur et à mesure. Don't expect anything but honesty in my review of your performance. On va tourner à votre bureau. Ouais, le gars, il a peur d'être bien quand même, hein. You're done here, Mr. Park. Thank you and goodbye. You need to exit the room, sir. Ouais, donc ça devait être le Wall Rider, hein. Donc on a vu à quoi il ressemblait avant sa pseudo-mort. Il y a un problème avec le stream? Dites-moi, est-ce qu'il y a un problème? J'attends jusqu'à ce que vous dites, normalement, pour moi, tout va bien. Ok. Bon, s'il y a vraiment quelque chose, vous me le dites, hein. Somebody's been telling stories outside of class. Ça va pas ici. Oh merde! How do I can see him? Oula. J'ai eu quelques ralentissements. Consulting contract 8208. Software engineer with a level 3 security clearance. Ouais, c'est qui lui, c'est le patron de Murkoff ou... still somehow not smart enough to realize that the last thing a fly ought to do in a spider's web is wiggle. Mon PC. Vous savez combien ça m'a coûté, bande de cons. Would be enough to fool the world's leading supplier of biometric security. Stupid, Mr. Park. More than stupid. Ah, il est borné de nanaille, non?
Dépend, Mr. Park, will you willingly submit to forced confinement? Did you hear that, Agent? He said yes, Mr. Blair. Great. Oh, and did I just hear Mr. Wayland Park volunteer for the morphogenic engine program? Well, that's what I heard, Mr. Blair. That is brave indeed, Wayland. The Murkoff Corporation and the Onward March of Science both appreciate your bravery and sacrifice. Les filles de pute. May you administer Mr. Park here a light anesthetic. Gladly. Coup de poing, coup de matraque, coup de pied. Ah, ça pique, hein. Ouais, donc c'est comme ça qu'il en est venu à ce stade-là, quoi. Libre. Oh putain, par contre, je vois des hallucinations ou je sais pas trop quoi, là. Fait tout noir. Caméscope. Oh. Alors, comme la dernière fois, les documents, je ne les lirai pas. Hein. Je lirai les notes seulement. Si je meurs, j'ai merdé. Oh mon Dieu, où suis-je? Des heures du passé ou des semaines? J'ai le cerveau rempli de parasites. Ils nous ont fait regarder le moteur. Je dois trouver de l'aide. Je dois l'aider. Je dois appeler à l'aide. Lisa, je suis désolée. Si je meurs, je sais que tu me trouveras. Je sais que tu continueras jusqu'à ce que tu trouves mon corps. J'espère que tu trouveras aussi cette caméra. J'espère que la preuve qu'elle contient fera ce que je n'ai pu faire moi-même. Faire connaître la vérité. Lisa, chérie, je suis désolée. J'ai merdé, je pensais faire ce qu'il fallait. Mais j'ai merdé grave. Ah putain, oui, t'as merdé grave, mon gars, oui. Ah. Moi, j'aurais attendu d'avoir été payée, de me barrer de cet endroit. Ensuite, j'aurais tout révélé, quoi. Il fait tout noir. Bonjour Dio. Comment vas-tu? Ah, t'as vu ça, hein? Une vraie pro. Putain, il a vraiment une sale gueule. Les piles. Il reste plus grand chose du monsieur. Bon, toi, je te demande pas ton avis, hein. C'est quoi que ça va ? Ça, je vais bien. Pour l'instant, ça va, pour l'instant. Là, et qu'ils vont faire? Ah, eh, quand ils repensent, c'est que justice, hein. Bon, pas d'observateur entré. Non, c'est gentil. Non, j'ai pas envie. Ah. Ok, je passe par où? Je passe par là. Come to join their therapy session.
Ah vache, le roi Raiden, il m'a fait paniquer. Get a little red on your hands. It's always hard to express yourself. You keep it bottled up too long and you might do something you regret. No. You're one of those. Too good for the likes of us. Think you're different? Something special? There are no observers here. Now, get the fuck out of here before I change my mind. Je ne vous juge pas, hein. Faites ce que vous voulez, mais ne m'impliquez pas dedans. Au revoir. Bonne journée. Ah, putain! Ah! Fais tout noir! Ah! Ah la vache! Ah. Ah, il m'a fait flipper! Mais en fait, je l'avais pas remarqué en fait. Oh, attendez. Je casse la radio. Ok. Donc la priorité, c'est cette radio. C'est cette radio, la priorité. Il y a une radio dans la prison. Onde courte. Si c'est un appareil électronique, je peux le faire fonctionner. Il reste un espoir, Lisa. Je vais rentrer auprès de toi à la maison. J'ai péché par excès de subtilité, comme tu l'as toujours dit. Je pensais que distiller l'information à quelques journalistes était le moyen le plus sûr. Je ne voulais pas être sur le devant de la scène. Murkoff est dangereux. Je le sais. Je pensais devoir être subtil pour ton bien, Lisa. Pour les garçons. Mais j'aurais dû révéler ce que Murkoff est en train de faire au grand jour. J'aurais dû le crier sur tous les toits. Je ne peux pas mourir. Pas avant d'atteindre la radio. Ils ne peuvent plus étouffer cette affaire maintenant. Ça a trop dégénéré. C'est trop dangereux. Ouais, bah tu m'étonnes, hein, que c'est trop dangereux. Les entre guillemets fous qui se vengent, ce qui est tout à fait légitime. Fait tout noir. Toi t'es mignon, tu restes assis. Je l'entends bouger. Bonjour. Tiens, tu veux sortir? Non? Au revoir. Je t'aurais proposé pourtant. Alors, où c'est qu'on passe? Par là. Tout va bien. Tout va bien. Il n'y a pas de problème, voyons. Il n'y a aucun problème. Quelque chose me dit que je dois courir. Quelque chose me dit que je dois courir. Bizarrement, j'ai pas confiance. S'il y a des casiers, c'est pas pour rien. Donc panique, ouais, pas de panique, ouais, faut tellement tiens. Bon, finalement, il vient pas. Ah, c'était lui en fait qui avait parlé, ok. Aïe. Je crois que le monsieur va passer un sale quart d'heure. Ouais, j'allais dire, je peux sortir, s'il vous plaît.
Ouais, je cours, ok. Voilà. Ah, connard, laisse-moi sortir. Fils de... Foiré. Espèce d'enfoiré. Mais mine de rien, il y a quand même pas mal de... entre guillemets, fous qui sont morts, hein, aussi. Hein. Ah, je peux passer par là? Je peux passer par là. Où est-ce que je dois aller? Ah! Me coincez pas, s'il vous plaît, messieurs! Ok, faut passer par là. J'ai jamais vu un homme mourir avant aujourd'hui. Jamais vu un corps sans vie, sauf dans un cercueil. Des dizaines aujourd'hui assassinés et pire encore. J'ai regardé un homme dans les yeux pendant qu'un autre le tailladait en pièces. Il a dit qu'il était docteur, puis il a vu les loques dont ils m'ont affublé, et il a changé d'idée. Il a dit qu'il était impatient. L'un ou l'autre, quelle importance? Ils sont tous cinglés, tous malades. Il n'y a plus vraiment de différence entre eux maintenant. La thérapie se propage. Et qui que suis-je? J'ai regardé cet homme mourir et j'ai pensé, ce n'est pas moi. Merci mon Dieu. Je sais que je mourrai un jour, mais je ne veux pas être assassiné. Putain. Cours, Syrah, je suis derrière toi. Même pas en rêve. Dégage. Ouais. Donc c'est pas ici qu'il faut passer. Je viens d'ici pourtant. Il doit y avoir un truc. Hein. Il doit y avoir un truc, une porte, quelque chose. Ah, là. Par ici. Voilà. Bon bah j'ai dans la bonne direction hein. Enfin, j'ai l'impression. Qu'est-ce que c'est? Ouais, je vais te laisser bouffer tranquille, hein. Ouais, d'accord, ils ont toute la tête coupée. Je vais recharger en cas où, hein. Ah, immonde. C'est totalement... Oh. Itadakimasu. Bonjour. Il est bizarre, monsieur, non? Je dois passer par où? Ah. Il love him. Allez, écoute, si tu veux. Ouais, écoute, je vais te laisser tranquille, hein. Voilà, mange bien. Bon appétit. Ah, oh, il a fait exploser sa tête dans un micro-ondes. Ah. J'entends quelqu'un, j'entends un bruit. Je vous avoue que là, je suis pas spécialement bien comparé au premier. Je suis pas très à l'aise.
attacher les menottes pour ouvrir la porte. Je crois que j'ai pu faire. Tu m'étonnes. Ça te dit pas de lâcher Parmentier, Dioxine? T'es sûr que tu en meurs d'envie? Come to me. Oh putain, c'est le taré à la scie circulaire. Oh putain, je suis pas bien. Oh, il m'a pas vu. Là, je vais aller chercher un truc à manger, c'est pas ce que je veux dire. Je suis pas là, 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 je suis pas là. Ah, fuck it, connard. Faut aller par où? Faut aller par où? J'ai pas envie de ton secret. J'ai pas envie de savoir ton secret. Ah, deux secondes. Petite pause, tant que je regarde ce que vous dites. Oui, non, la Syrah, elle est pas au mieux de sa forme, là. Là, je dois avouer que la Syrah, elle est pas spécialement bien, non. Non, j'ai pas envie de connaître ton secret, mec. Allez, bonne journée. Ah non, pas, je suis pas bien là. Elle est morte de peur. Ah non, mais t'imagines pas, Adrien. Là, par contre, là, je vois que je suis pas bien. Une note. Des piles. Wow. C'est vrai que je me dis qu'heureusement j'ai pas bouffé avant. Ah oui, putain. Ah non. Je ne suis pas là. C'est moi tranquille. Ah, je sens qu'on va me revoir bientôt. Parce que bizarrement, si je me souviens bien dans les Outlast, hein, si le gars ne meurt pas, tu le revois. Hein. On va remettre la batterie. Putain. Une batterie. Ah, punaise.
Ah. Oh putain, bordel de merde. Dégage, dégage, dégage. Les sièges. And cook? What? Oh putain! Oh putain! Non! Ah ça 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 ça! Si! Allez! Ah! Non, je n'étais pas à toi. La Syrah a eu les chocottes. Oh oui, non mais... Je pensais pas qu'il me tomberait comme ça dessus en fait. Non mais faut pas faire peur à la Syrah comme ça. Faut pas. C'est pas bon pour son cœur, c'est pas bon. Putain, quelle idée de faire des jeux pareils aussi. Ah. Parce que ouais, ici, là, tu peux pas sortir. Tu sais, tu dois bien sortir là quand même. Non, non, avec des casiers, que des casiers. C'est pas ici. C'est pas ici, c'est pas ici, c'est pas ici, c'est pas ici. Non. Il a essayé de me faire cuire quand même le con, hein. Donc c'était bien par là. Ouais, c'est ça, il essaie de me cuire. Moi aussi, c'est la morgue, donc je ne pense pas qu'on passe par là. Non. Il n'y a pas un passage en haut, peut-être? Ah, je crois que j'ai trouvé! Bonne soirée, Nina! Bon, bah je crois que j'ai trouvé. Je crois que j'ai trouvé. Donc je remercie le gars qui a hurlé. Hein. Voilà. Putain, le con quoi. Je suis pas morte. Non, pas pour l'instant. Bon, bonjour. Ah, toujours des hallucinations. Hein. On peut pas passer là. Je vais faire une connerie. Là, ici. Zut. Ah non. Rien que pour ton plaisir, oh, je ne mourrai pas. Je risque de beaucoup paniquer, certes, mais je ne crèverai pas. Allez, passe en dessous.
Ah, pardon, Dio, je t'ai appelé Rose sans le vouloir, excuse-moi. J'ai désolé. Elle est bourrée, Dio, fais pas attention. Moi, bourrée, jamais. J'ai compris. Putain. De merde. Allez, avance. Ah. Yo, fou, fou, fou. Oh, une pire. Il y a des échos quand elle ose la voix. Ah, c'est fort probable. C'est fort probable, Adrien. Ça, malheureusement, c'est une chose que je n'ai pas pu régler. Par contre, si je retombe sur le faux à la scie, je hurle. Même si je vais être obligé de tomber dessus, hein. Bonjour. Ah, bordel. Ah, mais j'avoue que là ce soir je suis au mieux de ma forme. Et ne dites pas que ça vous fait pas marrer, hein, bande de sadiques. Oh putain de merde. Ninja. C'est parti où? C'est là. Yes. Yes, 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 il vient pas sous ce lit-là. De toute façon, je vais être obligé de passer derrière lui. Je pense avoir vu le truc d'égout là, enfin de d'aération. Hé hé, mon gars! Tu ne mourras pas cette fois.
Oh putain. Ça c'est dégueulasse par contre, je tiens à préciser. Il est plus là. A pu. Lui au moins il a l'obligeance de fermer la porte doucement, pas comme l'autre taré la dernière fois. Pas comme le journaliste. Oh, punaise. Mais encore, ça c'est que le DLC, hein. J'imagine même pas le jour où le 2 va sortir. Hein. Je fouille toutes les chambres. Hein. Ah pardon. Je suis désolée. Oh la vache. Oh, j'ai eu peur du nombre. Oh, j'ai eu peur du nombre. On va fermer la porte. Oh, bordel de merde. Oh. Bon. Ah, ça y est. Quand c'est ma place. Ah, je suis désolée. Je joue le messager de Monsieur Fenris. Bonjour à Sierra. Une bonne première session et bonjour à tout le monde. Bah écoute, Phoenix, tu diras bonjour à Fenris de ma part. Hein. Et tu peux dire qu'il loupe quelque chose, hein. Là, ce soir, c'est pas mal. En fait, le 2 sort dans peu de temps. Ah oui? Tu sais à peu près quand? Parce que j'avoue que j'ai pas vérifié, donc. J'avoue que je n'ai pas regardé. On ferme la porte. Oh putain. On ferme la porte. Des entrailles, des entrailles. Oh putain. Je sens qu'il va me choper dans ce casier, mais c'est pas grave. Je suis sûre qu'il va me choper ici. Je te remercie, Phoenix. Je sens qu'il va me choper ici. Allez, il est parti. Ne rigole pas trop, hein. Je crois que j'ai fait le tour. Ouais. C'est ça. Je crois que j'ai fait le tour. Je crois que je suis en train de tourner en rond. Bon, il va me choper sous la couette. Sous la couette. Sous la... Oh putain, mais vos conneries. Sous le lit, là. Putain. On va se préparer à se barrer, hein. Mais en fait, ce mec, c'est quoi? C'est un garde? C'est un...
c'est pas là. Putain, mais bordel de merde! Non, je ne suis pas à toi, je ne suis pas à toi, il faut que j'aille où, bordel de merde! Perdu. Ah mais totalement, je suis totalement perdue. Aïe, ça picote. Aïe, tiens, prends-toi ça dans la gueule. Ça met ça tant de chercher. Ici c'est quoi? C'est que des chambres? On va voir la paix quelques instants. Oh putain. Va au-dessus de la sorte de cabine à gaz et saute au-dessus. Tu parles du sas ? Ah oui, en effet. Attends, c'est vraiment là? Putain. Attends, je peux pas trop parce que là, il y a un monsieur qui me court après. Un monsieur qui veut littéralement mon cul. C'est tout noir quand même, hein. Ok, ouais, ok, j'avais pas vu avec la machine. J'avais pas vu avec l'infrarouge. Merci Adrien, t'es d'une grande aide. C'est tombé à droite. Oh putain. Allez, une pile. Une pile. Ah, la valve. Asphyxiant, ouais! Maintenant, il y a l'autre enfoiré qui a rien perché. Je parie combien qu'il est derrière la porte? Même pas, je suis étonnée. Le furet des bois jolis. Il va se barrer, moi, d'ici. Ah, pfiou. C'est bon, on est débarrassé pour l'instant du mec à la scie. Donc voilà, on passe ici. Ah, sauvegarde. Là, je suis moi. Donc, comme d'habitude, hein, vers 22h30, tranquillement, on fait une petite pause. Ah, on est à l'extérieur. Putain. Je vais longer le mur, hein, parce que... Purée de poids. On voit rien du tout. Je sais pas où je suis. Ah, une porte. Fermée. Là, c'est ouvert.
désolée si je vous ai hurlé dans les oreilles. Je suis désolée aux utilisateurs de Gax. Je suis navrée. Ce jour à ma peau. Ce jour à ma peau. Je sais pas où je suis. Ah. Peut-être là. Non, je viens d'ici. Je viens d'ici. Je suis pas à toi. C'est toi, connard, qui m'a fait peur? Non, parce qu'on peut s'expliquer si tu veux, hein. On peut s'expliquer si tu veux. On t'a entendu depuis la cuisine. Oh, je suis navrée. Ah, ici. C'est quoi cette ambiance de merde? C'est quoi cette ambiance de merde? Oh putain. Je vais pas se voiler. Il y a quelqu'un, hein, je... Putain, hé, hey, sans déconner, je rêve pas, j'entends des bruits de pas. Hein. Et il y en a, je pense pas que ça soit les miens. Fermé. Vous sentez le désespoir là, dans ma voix là? Putain, il fait sombre. Donc c'est pas par là, faut aller par là. Bah oui, il fait du basket et alors? Attendez, je crois que j'ai des notes, ça. C'est bien, ça me fera une pause, c'est bien. Ah, j'ai même pas lu les notes du cannibale. Ne me demande pas à voir mon corps, Lisa. Quand je serai mort, quand on aura fini avec le procès qui permettra d'arracher ces images aux avocats et hommes de main de Murkoff, ne demande pas à voir mon corps. Enterre-le ou brûle-le, que mes fils se souviennent de moi en un seul morceau. Ce mec est en train de manger de la chair humaine. Il me regarde et je vois de la colère. Un peu de désir, mais plus que tout, de l'appétit. Je t'en supplie, ne leur demande pas de te montrer mon corps. Putain de merde. Et eh ben Phoenix fait un gros bisou à Aaron de ma part. Un hurlement. Est-ce lui? Est-ce le cannibale? Cela pourrait être un cri de joie ou de douleur. Je ne peux pas savoir. Je suis même pas certain qu'il en serait capable. Sa voix ressemble à quelque chose que je voulais quand je regardais le moteur. Son seul message se résume à sentir la faim, écrasé et dévoré. Je vais faire en sorte de l'oublier, Lisa. Si j'arrive à sortir d'ici, je retournerai près de toi. En espérant que ton mental ne soit pas affecté, mon gars. Il joue tout seul et il perd. Le jeu est ainsi fait. Il y a une épreuve de mathématiques. Si vous ajoutez 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 et ainsi de suite jusqu'à l'infini, vous pourrez arriver à une réponse. Si vous arrêtez un peu avant l'infini, vous aurez un nombre incroyablement long. Si vous arrivez jusqu'à l'infini, vous arriverez à moins... répétition de négatif, je perds prise. Je pense qu'au trajet jusqu'ici, 400 miles dans un camion de location, le boulot qui se pointe juste à temps pour couvrir nos factures, nos dettes, l'assurance. Les garçons dormant à l'arrière, il y a un autre que la radio AM. Du gospel, de la country, des ébats parano en fin de nuit. On chantait les chansons de Patsy Cline et on riait des conspirations extraterrestres et de fantômes. Les bornes de kilométrage défilaient dans la lumière des phares. Je ne veux pas mourir ici.
Allez. Affirmement, c'est Syrah. Je vois pas de quoi tu parles. Vraiment pas. Alors, non, je te l'avais pas dit, Pierre, mais... C'est rien, ça, par contre. Et pour dire coucou, je suis là, voilà. Il fait du basket avec une tête. Ah, d'accord. Cette pierre ne sert à rien. On va revenir un peu sur nos pas. Hein. Pas ici. Bon, il doit bien avoir une fenêtre ouverte ou une connerie du genre. C'est ici que ça continue ou il faut que j'aille ailleurs? Parce que j'avoue que là, je ne vois rien du tout. Hein. À mon avis, il faut que j'aille ailleurs. Hein. J'ai exploré tout l'endroit. Ah oui. Quelqu'un a ouvert celle-ci. C'est ça, il fallait bien bouger. Le monsieur est en PLS. Ici c'est ouvert. Ici c'est ouvert. Izzy vous fait un bisou à tous. Il a fait un gros bisou à Izzy de ma part aussi. Faut passer par là. Attendez, je vais retourner un peu en arrière. Vérifier. Ouais. Ah ah! J'ai vu quelque chose. Là. Bon, ce que je vois, faut passer par là. Ah d'accord, c'était derrière moi. Bonjour copain. Pourquoi dire bonjour quand même, hein, espèce de mec poli. Elle est juste à côté de moi. Ah! Merde. Faites attention à moi les gars, je ne suis pas là. Mec, fais gaffe quoi. Spire Sport. Putain, j'ai vu la porte, j'ai vu la tête passer devant moi quand j'ai passé la porte. Alors. Ah, bon. Grimper quelque part, c'est ça? Non, passer là. Ici, rien d'extraordinaire. Remina.
Alors, du coup, tu n'es pas parti en boîte? Je comprends ton envie de fuir, mon gars. Je la comprends tellement bien. Montre pas comme ça, toi. Est-ce qu'il y a quelque chose là-haut? S'il y a une échelle, c'est qu'il y a quelque chose. They'll tell you it's science, but it's not. They were waiting for us in this place. Sure. Billy understood. They've always been here. Attends, viens me chercher. Ah, d'accord. Voilà, ferme doucement la porte. Ah, la radio. Oh, Mr. Blair. Oh, fils de pute. Waylon, you couldn't just... couldn't just keep your mouth shut. You couldn't just play along. Laisse-moi partir, fils de pute. Do me a favor and die here, Park. Ce bruit, c'est pas le gros. C'est pas Billy. Surtout avec les modérateurs. Si. Y'a le gros. Il respire toujours si fort. Attends, je vais fermer la porte au nez. Oui, oui, oui. Ah, ça y est. J'ai des petits ralentissements. Ah, ça vous rappelle pas quelqu'un? Le fameux prêtre. Mais tu restes combien de temps? Elle reste une semaine, Phoenix. Donc le prêtre, ouais, du coup, ouais, il est toujours vivant si ça se passe avant. J'imagine qu'il faut regarder en arrière. C'est fermé, mon gars.
Bon, j'imagine qu'on va aller là-bas, obligatoirement. Tac, tac, tac. Allez, on va la passer prochaine. Ah, non, je pouvais ouvrir la porte. Don't be afraid, you're doing his work, whether you know it or not. Ouais, donc ça c'est une phrase qu'on voit au début du jeu, hein. On arrive par cette porte justement, et on voit ça qui nous dit suivre le sang. Je ne veux pas savoir. Fermé. Oh fuck. Là le gros. Voilà Pumba. Putain merde, Pumba quoi, Kuna Matata. Peut-être passer dans un coin ici. Voilà. Non, il n'y a rien. Faut passer par ici. Il y a une chapelle. Je vérifie s'il n'y a pas de fil dans le coin. Hein. Attendez, déjà il y a un document. Ici. Je ne veux pas savoir. Intéressant. Je parie combien que je vais me prendre un mec dans la gueule. Même pas. Putain, c'est-il pas bizarre. Putain, mais le mec il se fout de ma gueule. À plat, abattu, déprimé. Quelqu'un qui ressemble autant à un prêtre que cet endroit ressemble à un asile. Inscrivant ses instructions sur le mur. Parlant de Dieu, il me dit ne pas avoir peur. Comment ai-je pu faire partie de ce putain de génocide dû à une habileté inhumaine? Les monstres de Murkoff a créé à partir d'esprits torturés, le tout protégé par sa clinique de minables musclés et suréduqués. Leurs propres hommes massacrés.
Je n'ai jamais prié de ma vie, Lisa. Mais si une petite divinité interventionniste quelconque est à l'écoute, tuez Jeremy Blair avant que je ne meure. Esprit vif et avarice, il n'y a aucune souffrance qu'il ne mérite. Il n'y a pas de radio, aucun espoir de contacter le monde extérieur, juste s'échapper. Ok. Il y a toujours du courant, l'électricité. Je dois réfléchir, Lisa. Je pensais que le courant était une preuve qu'une expérience humaine contrôlait toujours une petite partie de mon être massif. Mais quelque chose d'humain ou de sain d'esprit n'a rien à faire ici, à part survivre. Et encore, pas longtemps. Tu étais toujours la plus raisonnable de nous deux, Lisa. Tu me dirais de me calmer et d'envisager le problème sous un angle différent. La folie et la barbarie règnent en ces lieux. Quoi que ce soit qui garde l'électricité branchée, ça essaie de me piéger ici. Est-ce que je dois encore la couper? Ah bah oui! Les modos parlent de leur vie. Oh, c'est quoi cette dissidence? C'est quoi cette dissidence? Ouais, il n'y a plus le monsieur. Zork. Blah. Je savais, bordel de merde. Ah. Ah. Voilà. Alors, moi je suis vraiment pas en besoin pour moi dans cette cave, je vais en profiter. Oh, il profite le monsieur. N'hésitez pas à casser les pieds aux modérateurs, hein. Ils sont là pour ça. Hein. Technicien du lave, je pense que ça fonctionne. Oui, c'est vrai. C'est mon techno. Ouch. Mon avis était déjà mort avant. Non, c'était pas ce que je voulais. Une issue facile, ce serait si simple, je n'y crois plus. Faire sortir la vérité. Il n'y a pas de vérité, juste des mensonges que nous avons relayés trop longtemps. Ce sont nos enfants, Lisa. Je prendrai la sortie la plus facile d'accès si ce n'était pas pour les garçons. Maudit soit cet endroit. J'endurerai n'importe quoi pour en sortir. Ok. Merde, c'était pas ce que je voulais. Attendez, parce que lui, monsieur, il doit peut-être avoir des piles. Des pills? Non? Faut tiens voir. Vérifier s'il n'y a pas de trou, hein, parce que bon. Hop, on monte. Continuons. Voilà. On est où là? On est dans une espèce de phare?
Tour de garde peut-être. Oh putain, c'est suicidaire là. Non, monte. Monte. Ah. Zut. Oh non, j'ai cru que c'était une femme qui parlait. J'ai cru que c'était une femme, hein, pour vous dire, hein, la voix. J'ai cru que c'était une femme. Non, c'est vraiment la voix d'une femme, on est d'accord. J'ai pas rêvé. Non, attends, faut passer par où. Là, passez là. No sense in pulling a mad dog's tail. We feed him a goat and leave him alone. Ouais, ça fait bizarre d'entendre une femme parler, hein. Parce que dans le premier, on avait personne. Un cadeau pour le marié. Ouais, donc c'est bien ce que j'avais compris, hein. Après j'ai eu la voix d'un homme. Et après oui, il y avait bien la voix d'une femme. Oh, oh bon. Voilà, donc là, à tous les coups, nous sommes dans l'aile des femmes, quoi. Merci du conseil, mon gars. Je te remercie. Hop, voilà. Note. Homme sage. De retour à l'intérieur. Comme si plus j'essayais de fuir, plus je me retrouvais coincé. Les hommes morts ne me surprennent plus. Le suicide semble en effet plus sage. Oui, bah, c'est sûr. Oui. Ça fait trop peur. Oh oui, non, mais de toute façon, Nina, c'est un monstre, hein. Faut pas se le cacher, hein. Kill the rats. He's here. Inside the walls. Kill him. This idiot wants to die. Non, j'ai pas envie de crever. J'ai pas franchement envie de crever, tu vois, mais bon. Hein. Oh putain. There's a leak pissing down on us. Water. Voilà, passer par là. Ouais,
dead yet. You cowards and idiots, all you. Shit, my words. Dites-moi, est-ce que je tourne en rond? Non, non, il me semble pas. There he is. What do you think? Oh, he'll do. Wait, for once we. Non. He got away. The groom will have us. Ah, fuck it. Est-ce que je me suis trompée d'endroit? Putain, il y avait une pile! Aïe! Achikachikachika, aïe aïe aïe! Vas-y. Voilà. Pour ça, je me disais, c'est bizarre. J'ai mal le bras. Un geste plutôt long. Voilà. Je vous avoue que j'hésite à faire une petite pause. Oui, ben vous savez quoi, je pense qu'on va faire une petite pause. Hein, parce que... Bonne soirée Nina. Bonne soirée à toi. Bah écoutez, je pense qu'on va faire une petite pause là parce que je pense que j'en ai un peu besoin. Un petit peu beaucoup. Hop. Voilà. Ouais, c'est ça. Pose à chips. Alors, attendez, hop. C'est ça, pose de chips avec ce que vous voulez, eau, à côté, n'importe quoi. Donc bon. Du coup, je vous dis d'ici à 5 à 10 minutes. À tout à l'heure, tout le monde. Thank you.
Alors, re tout le monde. Alors, on va être parti sur Outlast pour la suite. Pendant à peu près 1h15 minutes. À peu près, sinon ce sera 1 heure grand max. Ouais, je pense que ce sera 1 heure grand max parce que sinon ma santé mentale ne va pas tenir. Ah, attendez, le jeu. Je crois que j'ai le jeu qui a planté. Je crois que j'ai le jeu qui a planté. On va vérifier ça tout de suite, hein. Oui, c'est ça, pas de réponse. Bon, tant pis, on va être obligé de le relancer. Obligé de le relancer. Ouais, il a planté quand j'ai dû le mettre en pause, donc là, il m'a dit nope, nope, nope. Tu n'as plus de santé mentale depuis bien longtemps. Oh, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Alors, pourquoi il ne se lance pas? Ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Je dois reconnaître que le DLC il me fait bien flipper par contre. Le DLC m'a bien fait flipper. Alors, continuons. Continuons, continuons, continuons. Pousse pas, tu sais. Ah, ah, ah. Ça, c'était pas prévu. Ça va, là, maintenant je sais où il faut aller. Voilà. Donc on s'était arrêté ici. Ça va, c'était pas extrêmement loin. Bon, attends deux secondes, parce que... Voilà. Voilà. C'est bon. Si vous voulez, j'ai une espèce d'installation vraiment mode MacGyver. Alors, par contre, j'aime pas, je suis 2% de pile. C'est immonde! Oh, ça me donne envie de vomir! En attendant, on a une note. Quel enfer! Putain. Le corps d'un homme mutilé est placé de manière imitée ou moquée la naissance. Le genre de truc qu'un homme ne peut voir sans changer irrémédiablement. Lisa, j'étais à tes côtés quand nos garçons sont nés. C'était jusqu'à tout récemment la chose la plus miraculeuse que j'ai pu voir. Totalement hors de tout cadre raisonnable. Et cependant, au centre de tout ce en quoi je crois depuis toujours. Depuis. Pff, tu as toujours dit que j'étais trop terre à terre et que je voulais appliquer une règle conditionnelle à toute chose. Dernièrement, j'ai élargi mes horizons.
Comment les choses que j'ai vues ici peuvent-elles exister? Mais je connais la réponse. Argent, profit, des choses que nous avons faites juste parce que nous pouvions. Tout va bien, tout va bien. Je me porte bien. Welcome home, bienvenue à la maison. Non, pas bienvenue à la maison. Putain, en plus il a mis de la musique joyeuse en plus. C'est quoi ce psychopathe? Je sais pas où je suis. Non. Non, 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 t'as une sale gueule. T'as officiellement une sale gueule. Laisse-moi te remplir. Non! Non, non, non. Non, 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 même pas en rêve. Non. Ce mec est ignoble. Ce mec est ignoble. Run! Voilà, ça te sera ralenti. Une robe de mariée, de plus en plus glauque. Y'a l'été, y'a... Eh ben, te marie pas. Putain, c'est quoi ce mec? Putain, merde. You're not what you're meant to be.
This place. Things you've done. The flower is only as sweet as the soil that nourishes it. Première mort. C'était trop beau pour être vrai. Mais on est d'accord, ce mec est dégueulasse. On va peut-être passer par là où il est arrivé en fait. Ah merde. Non, il y a un casier. Ouais, forcément. Ouais, vu que je bois, tu as plus que moi, donc oui. Deuxième mort. Allez, écoute, je sais maintenant. Enfin, depuis le temps que j'attendais ça. Espèce de statique. Ouais, parce qu'après ici il y a des casiers. Il faut un casier, un casier, un casier, un casier. Ouais. Pourquoi je peux pas? Non, d'accord, c'est qu'une porte. Voilà. Voilà. Smell of my love's armor. Darling. Ouais, non, repose ce casier. A delicacy to be unwrapped. Oh, t'es dégueulasse. Unwrapped again. Oh. Save her. Oh. Here we go. Non. Non, non. Même pas dans tes fantasmes, je serais ta femme. Non, 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 non. Vulgar. And I want to say I'm sorry. I just, you know how but after the ceremony, I've made an honest woman of you. I promise, I'll be a different man. Ouais, c'est ce que les hommes disent, hein, généralement. Le chat est composé à 100% de gars. A legacy to be the father I never had. I'll never. Ah, retire ta bouche du truc. La laine doit pas être géniale. Attends ici. Pitié. Ah, gaga. 12 heures plus tard. Ah, quand même. Ah, quand même. Moi, je ne dirai rien, j'attends le week-end prochain. Darling, I need you to try to bleed less. I know the fair sex often endure the same wounds with more suffering. J'aime pas la scie circulaire au-dessus. Ah.
so sorry, darling. Love isn't for everybody. Les gars, je suis désolée si vous avez vu cette scène. Paix à votre âme. Oh putain, tu m'étonnes que le mien s'évanouisse. Oh putain. Hold still now, darling. All these unsightly hairs. Oh, silky smooth, like a little girl again. Now the more delicate bits. No! No, don't! Please! Ah! Aïe, 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 aïe! Oh les gars, je vous plains. You're ugly. It's getting up. You know if you work straight enough. Oh God. Bleed tears. Fatality. Oh putain. Oh la vache. Les gars, je serais pour ce que vous essayez, ça peut être marrant. Oh la vache. Oh, oh putain. Oh la vache. Mais attendez, est-ce que j'ai le jeu qui est parti? Reviens là ici, merci. You have amazing bone structure. Such non. Skin. You're going to be beautiful. Monsieur fabrique des madames. Je pense, oui. Je pense qu'il essaie. Has to suffer some things. It's not pleasant, I know. But just try to endure. For my sake. For the sake of our children. Non. Non, non, non. Non. It won't take long. A few snips of the flesh here and here. Cut away. Bonsoir. A soft place to welcome. Non, ne touche pas. To grow our family. Ah, la fille! Ah, la fille! Ah, la fille! And the conception. And birthing is never easy. Make the cut fast. Just close your eyes. Ah, oh, oui, mon ami! Putain de merde. Bon, c'est pas passé loin, hein. C'est pas passé loin. Une épouse réticente. Toujours un seul morceau. Je suis ici, Lisa. Je suis toujours moi-même. Il a essayé de faire moi son épouse, de me couper. Peut-être me suis-je trompée. Tout révélé au monde attirait seulement ici. Tout ne devrait-il pas mourir et pourrir ici même? Je ne dirai rien si ça signifie reprendre l'infection. Laissons-la crever, laissons-la pourrir. Putain. Oh gauche. Ah, j'ai plus de piles. Tu es à poil? Non, je pense que j'ai récupéré mes amis. Bon, le live est mort avec. Non. Ne t'arrête surtout pas, ne t'arrête surtout pas, ne t'arrête surtout pas. Voilà, ça le ralentira. Allez, allez, allez! Putain! Oh non, mais déjà que mon personnage, il marche à 3 à l'heure. J'arrive même pas à courir avec.
J'ai vomi deux fois, mais comme ça. T'as vraiment vomi, Pierre? Oh, ici, je vois rien du tout, donc ouais, c'est vraiment là-bas quoi qu'il faut aller. Oh putain, allez, cours, on laisse pas ce cinglé m'attraper. Pourquoi me ferais-tu ça? Je veux pas de toi, tout simplement. Merde, mais en fait, si, c'est un putain de cul-de-sac, en fait. Ah non. Derrière moi, ça le ralentit un peu. Tu m'étonnes, tu t'es fait mal à la jambe. Bordel de merde. Je crois que je vais m'arrêter là. tu n'as pas le courage, gros. C'est trop, c'est toutes tes forces. Ah, j'avoue que je me sens pas bien non plus. Et pourtant, je ne suis pas un gars. Oh, punaise. Oui, à une hauteur pareille, oui, il devrait être mort, nécessite une clé. Fuck. Putain, on voit pas la porte comme ça. Oh, on voit pas la porte comme ça, toi, t'es malade. Bon, il faudra plus de piles. Hein. Bon, pas passer par là. Ouais, on va pas passer de la par là non plus. Hein. Ah, deuxième pile. Oh punaise. Ah, un document. Je vous avoue que je pense que. Le live ne durera pas très très longtemps là, moi je dirais à peu près jusqu'à 23h grand max, parce que là... Ah. Je sais pas combien de temps dure le DSL, le DLC. Il ne doit pas être excessivement long à mon avis, donc... Voilà, une porte, je l'ai pas vue. Je ne l'avais pas vue celle-là. Ah, une pile. Ici. Oh. Pauvre homme. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Bizarrement, ça pue le boss ici! Ça pue le boss! Les épouses de Barbe Bleue. Des corps qui pendent comme des linges mouillés, comme des lapins dépouillés. Des hommes mutilés, chassés et assassinés. Un chemin très court, c'est par la violence et de la frustration sexuelle.
quelle que soit l'histoire qu'il se raconte à lui-même, il ne fait pas des femmes pour porter ses enfants, il fait des femmes pour les tuer. Lisa, je veux que tu brûles cet endroit et toute preuve qu'il a un jour existé. Détruis Murkoff Corporation. Enterre ça dans la honte, emporte l'argent et efface tout ça de l'histoire. Cet homme pense qu'il est amoureux, il pense que la thérapie le rend meilleur. Tout pue la mort et la peur, la pisse et le sang cuivré, la viande en décomposition. Ah ouais, oui, j'avais même pas remarqué en fait. Ah, oh, Glock. Glock, 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 Glock. Bon. Pourquoi tu fais pas des jeux avec petit lapin? Je pense que je vais m'y mettre, hein, oh, Dio. Je pense que je vais m'y mettre, parce que... Oh, attendez, je remets le chat parce que... Il est encore là. J'en ai marre de lui. Tu as dit boum ? Ah, c'est une bonne idée. Non mais remets ta caméra. Cher vieux papa. Eh ben on en trouve des piles là. Sierra commence à craquer. La Sierra commence à craquer. Merde, il m'a vu. Lâche-moi, bordel. Ah, oh, putain. Ah. On va y arriver. On va y arriver. Prends cette bonne clé et barre-toi. Je sais pas si je vais repasser par là, ça m'étonnerait. Oui!
suis passée. Je suis passée. Oh putain. Non ! Laisse-moi tranquille. I tried. You all betrayed me. Oh mon Dieu. Non ! Non ! Heavier than you look. If this is you on the honeymoon, I hate to imagine. And of course. Allez. Hold still. God damn it, what are you? Non! We could have been beautiful. Oh oui! Oh oui! Ah oui, mon gars! Crève, espèce d'enfoiré! Putain, crève! Oh. Oui, ça n'empêche pas! Oh. Mon Dieu, c'était mon pont! Oh, c'est tellement bon! Oh! Attendez, peut-être que j'aurai une note si je le regarde, peut-être avec la caméra. Ouais, c'est ça, j'ai une note. Oh, je suis tellement contente qu'il me crève! Alors, un veuf. Il est mort. Le chirurgien amateur, père en devenir, mari. Ses tripes déchiquetées et sorties de son ventre. J'essaie de ne pas rire. Oh Seigneur, Lisa, je te jure que j'essaie. T'as de quoi? Après ce qu'il t'a fait endurer, tu peux. Oh, chargement. Oh, la chapelle est en flammes. Est-ce que ce serait pas le moment justement où il y a le prêtre qui se fait brûler? Dans ce cas, le journaliste serait venu vraiment rapidement. Hein, en fait, le DLC se finit. C'est vrai que c'est marrant de voir un mec mourir. Ah non, mais je suis désolée, le mec il nous a pourri quoi jusqu'au bout. Hein, donc... Une église en feu. Au loin, une chapelle en feu. Je ne savais même pas que nous avions une église. On peut bien être Dieu quand on a besoin de lui. Le DLC se finit. On est bientôt à la fin. Ah bah écoutez, si on est bientôt à la fin, on va le finir. Puis on s'arrêtera là-dessus. Oui, c'est les mecs là qui ont tué le journaliste. Je sais pas si vous souvenez, un peu. Non, les hommes, revenez, je suis là. Je suis présente. C'est... Je fais tout ce qui bouge. Oula.
Ok. Ça fait dans 10 minutes. Ah bah ça tombe très bien alors. Servir et protéger. Agents de sécurité, mercenaires, milices privées, quel que soit le nom qu'ils portent, ils sont aussi inutiles que le reste d'entre nous. Besoin de sortir, fuir. Ok. Ouais, donc du coup, si c'est vraiment la fin, ouais, on va continuer jusqu'à la fin, puis on va s'arrêter, hein, dessus. En même temps, s'ils ont trouvé Billy, enfin le Wall Rider, c'est sûr que là, par contre, ils sont dans la merde. Cette télé me dit quelque chose. Cette télé me dit quelque chose. Comme c'est bizarre, je connais bien le coin. Je me rappelle ce coin, c'est le début de jeu d'Outlast. Pas avant lui. J'adore les bains de sang. Et voilà. Un screamer. Je suis désolée, j'ai mon chat qui veut plus me lâcher. Hein. Elle est sur mes genoux là depuis tout à l'heure en cas. Alors, on va lire la note. Jeremy Blair, le boss de mon boss. Un homme qui me ferait vider, saler et violer pour une promotion en quelques martinis. Blessé, mourant. S'il n'est pas déjà mort, j'essaie de sentir de la peine pour lui, j'essaie vraiment. Mais il n'y a aucun moyen de me retenir une minute de plus dans ce putain de trou. Je rentre à la maison, Lisa. Désolée, je vais vérifier si elle avait rien fait. Attends, tu rentres à la maison si tu peux sortir, hein, mon gars. Oh, lumière du jour. Oui. Ah ouais, ils ont défoncé la porte, hein. Ils ont défoncé la porte, hein, quand même. Et oui, c'est la voiture de notre journaliste. Donc putain, en fait, il est venu hyper tôt, hein. Il est venu hyper tôt. Et je suis étonnée qu'il part si vite. Ah.
Mr. Park. There's enough hard evidence in that video file to make a world of shit for our friends at Murkoff. Got out of Mount Massive alive. We've done everything in our power to cover your tracks. But our enemies are twitching. Nos ennemis sont aguerris. You won't be the only target. Anyone you care about, your wife, your child, they'll do nothing to Murkoff but ways to hurt you. I need you to understand the bridge you're crossing here. You will do irrevocable damage to the company. You might even get close to something like justice. But once you click upload, your life is over. Everyone you love is fucked. But it's the right thing to do. Is hurting Murkoff worth that much to you? Ah, dans tous les cas, on n'a pas le choix, fais chier. On n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Tu as été gazé pendant 12 heures. Ah oui, 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 t'as pas tort, Adrien. J'avais complètement zappé avec ces conneries. Ouais, c'est vrai, on a été gazé pendant 12 heures, donc oui, oui. Ouais, bah écoute, après, si tu comptes quelques heures et tout, aussi avant le temps de t'échapper, etc., c'est presque une journée, hein. Bon, bon. Alors, ouais, mais c'est quand même con quand même qu'il s'est vraiment dénoncé Murkoff. Ce qui est tout à fait compréhensif, mais après, c'est vrai que s'il pensait un peu à sa famille, donc à sa femme et à ses deux gosses, s'ils ne l'ont pas déjà quitté, c'est un peu con quoi, de les mettre en danger. Quoi. Voilà. Succès déverrouillé, Whistleblower. Ouais. C'est un bon petit DLC quand même qui m'aura bien fait flipper. Et il est 22h55. Pile, 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 pile. On peut dire que ce jeu m'aura bien fait flipper. Punaise. La prochaine fois, je veux voir Pierre à côté. Il n'acceptera jamais. Il n'acceptera jamais. Bon alors, c'était quoi le décompte? Ça, c'est quoi le compte des morts? 4 morts, 4-5 morts, c'est ça? 4-5 morts, je crois. Oh, bon, ça va. J'ai fait plus de morts que le jeu, mais le vrai jeu, mais c'est sympa, je regrette pas. Je ne regrette nullement. Six morts ? Six, cinq. Cinq morts, finaise. Bon, bah c'est déjà pas mal, hein. Moi, je regrette. Laisse-moi deviner, je regrette le fait de... d'avoir eu un casque quand je gueulais, c'est ça? Syrah, laisse-moi à côté de toi pendant que tu es concentré sur un jeu d'horreur. Même pas en rêve. Non. Même pas en rêve. Jamais. Je le connais trop bien, le monsieur. Il va vouloir me faire chier pendant que je joue. Il va vouloir me faire chier. J'ai perdu mes rêves pour cette nuit. Non, j'ai pas de casque. Tu parlais du monsieur quand il faisait coucou, quand il faisait muse avec les gars. C'est ça? Avec des parties génitaux très exposées.
Bon, bah, Outlast, c'est fait. Outlast, c'est terminé. Tu vas pas rêver de licorne, je rêve de faire le géant, mais c'est parti là entre autres. Aïe aïe aïe. Mais écoutez les gens, je vous remercie de m'avoir suivi sur ce live. Prochain live, Amnesia. Ah, c'est probable. Si je trouve une custom qui me plaît, ça peut être probable, oui. Donc, à voir ça. Par contre, je ne sais pas si je pouvais faire un live samedi prochain. Oui, j'ai Penumbra aussi à terminer. Faut que je fasse la suite. Donc, le prochain live, ça sera Penumbra. Celui d'après, ça sera Amnesia. Plus que sûr. Mais par contre, le prochain, je ne sais pas si je serai présente pour le faire. Donc, je vous dirai ça. Par Twitter, bien évidemment, Twitter, Facebook. Évidemment. Donc sur ce, les gens, je vous dis bonne nuit et à bientôt!